Yo les gens, c'est Ikonobi et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Pokémon Magikarp Jump. Alors, faut savoir que c'est un jeu qui est sorti il y a quelques années, 2-3 ans je pense, et donc c'est un jeu, comme vous remarquez, qui met en avant Magikarp. Donc moi j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ah ok. Donc voilà, on va commencer. Bienvenue dans le monde de Magikarp Jump. Je suis le maire d'une petite ville appelée Bourgcarp. Gong. Tout le monde ici adore une Magikarp. Dès qu'on a un endroit de libre, on y élève un Magikarp. Tu te demandes ce que ça fait un Magikarp. Ça gigote, ça sautille, ça remue. Certains appellent ça faire trompette. Soyons honnêtes, en combat, il est tout pourri. Il n'y a pas plus faible que lui. Il ne fait rien d'autre que sautiller. Mais bon, c'est un côté attachant. Bref, Magikarp est notre Pokémon favori. Enfin, moi, mon Pokémon que j'aime bien. C'est un Pokémon que j'aime bien parce qu'après, il y a Iviator, hein. Mais bon. Dans cette région, on s'intéresse beaucoup à la puissance de saut des Magikarp. Ok. Du coup, on a créé Wiggig. Mais ça fait des lustres qu'aucun habitant de Bourgcarp n'est devenu Pokémon. Et je sens que nos Magikarp sont tous. C'est à peine s'il gigote encore. Il remue, mais le cœur n'y est plus. Ça ne peut plus durer comme ça. Du coup. J'ai invité un pro dans l'entraînement Pokémon au village. Toi. D'accord. Je te confie la tâche d'entraîner un Magikarp capable de battre Gigig. Je te fais confiance pour que les Magikarp du village retrouvent leur vivacité. Tu as compris? Entraîne un super Magikarp, bat les Wiggig et hop. Facile, non? Bon, commence à en montrer ton Magikarp. Quel Magikarp? Comment ça, tu n'as pas de Magikarp? Bah, j'ai peut-être un Iviator, mais. Mais ça ne va pas du tout. Vraiment, il faut tout faire ici. Viens. Non, mais moi, je veux dire, j'ai pas de Magikarp, mais bon, j'ai Primo de Groudon, Primo Kyo et Mega Rayquaza tout shiny. J'espère qu'il y en a qui ont compris la référence. Regarde, voici trois cannes à pêche. Attends, le gars s'est changé, d'accord. C'est l'outil indispensable pour pêcher un Magikarp. Dans ma jeunesse, j'en ai pêché et élevé des tonnes, tu sais. Maintenant, je prends mon temps, je les élève à mon rythme. Et je vais te donner un des miens. Laisse-moi te choisir une canne, Senga. La vie m'a donné la plus pourrie. Ok, là on a un Magikarp. Wow, c'est passionnant, dis donc. Voilà un Magikarp qui a l'air d'avoir de la détente. Niveau 1, c'est un mag. Ah bah, ok. Je te choisis, voilà. La fameuse phrase, là, je te choisis. Regarde comme ce Magikarp est vigoureux. Bon, tu peux commencer ta carrière d'éleveur. Écoute-moi bien, je vais t'apprendre comment élever un Magikarp. Pour gagner à la ligue, il faut que tu augmentes ta puissance de saut de ton Magikarp. C'est exprimé en PS. Logique. Touche les B à l'écran pour que ton Magikarp les mange. La nourriture augmente les PS. Ok. Voilà. Ah d'accord, on peut bouger l'écran. Carrément. Vas-y, on va monter un niveau comme ça tranquille. Là, je vois niveau 1 sur 11. C'est l'heure de t'entraîner. Un Magikarp peut augmenter ses PS d'un coup en s'entraînant sérieusement. On va passer à la cinématique, hein, s'il vous plaît. Je comprends rien. Votre Magikarp gagne 240 PS, ok, 144 pardon. Faut rentrer au bassin avant la tombée de la nuit. D'accord, là je suppose qu'il y a encore de la vie. Quand vous avez gagné suffisamment de PS, essayez de défier une ligue. Ah, on peut? Déjà? Pour gagner la ligue, il faut sauter plus haut que tous ses rivaux. On va regarder ce que ça fait, hein.
On s'en fout de la cinématique. Ah tiens, il me ressemble. C'est mon jumeau. C'est Nikonobi 2. Attends, c'est moi ou Magikarp le plus gros là? On va perdre, à mon avis. What? Attends, Magikarp, remporte ta victoire, youpi! Non mais franchement, non mais je croyais que c'était Grok qui a gagné, je me suis dit purée mastodonte, lui. Vous avez battu votre Riban. Ah c'était mon Riban! Mais c'était mon jumeau aussi! Quand ton rang d'Exvoeur augmente, tu récupères des points d'entraînement et tu gagnes des diamants. Donne tout ce que tu as. Quoi, tu as déjà une victoire à la ligue? Tu ne perds pas de temps, toi. Si tu continues comme ça, toutes les ligues tomberont, on n'a rien de temps. Ah ah, je m'emporte. Commençons par celle pour débutants, la ligue copain et la ligue rapide. Je te rappelle pourquoi tu es là. Deviens un maître ou rentre chez toi. Très sympa, dis donc. L'aventure de toute une vie, ou presque, va enfin commencer. Direction le monde du rêve, de l'amitié, de l'amour et de Magikarp Jump. Ah d'accord. Oh, mais j'ai un diamant. Oui! 10 diamants! Cool. Ok. Certaines modifications peuvent être utiles. Bon, merci. Bon, bah, on va encore manger des trucs, hein. Oh, les petits gloutons, mange. Bon, il y a village, là, qui. Les pièces que vous gagnez à la ligue peuvent être utilisées pour acheter des objets utiles. D'accord. Bon, alors on peut personnaliser le bassin, donc c'est vraiment bien. Bon, on est trop pauvre, visiblement. Objet? Non. On retourne au bassin. Mange! 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 Allez. Vas-y, glouton. Moi, je dis, on va à la ligue. Hein. En route! Non, attendez, on va revenir au bassin. J'ai oublié entraînement. Non, mais vous avez vu le nombre de choses que j'ai fait? Attends, 1,4. Attends. Ah, ouais, quand même, 1000. Attends, 1140? Je pensais ça, ouais, 1140 points de saut. Oh, purée. Mais vous avez vu le nombre de sauts? What? Quelqu'un arrive. Le hasard peut frapper à la porte quand on s'y attend au moins. Une grande variété d'événements peut se produire, alors ouvre l'œil. Le maire masse gratis. Après tous ces efforts, ton Magikarp a l'air épuisé. Laisse-moi faire, je veux le réveiller, on n'a rien de temps. Yeah! Il a fait un massage là? Il a juste levé le bras. Tiens, je te fais un massage. Oh, attendez, mon Magikarp est. Ok, il est devenu taille intermédiaire. Oh, il est gros. C'est un gros Magikarp. Il évolue encore? La taille de son corps permet de voir un motif. Ok. Ok, il y a une Pokémon qui traînait dans son truc. Ok, il faudra que je dise là, aux gens qui viennent voir mon Magikarp. Bon les gars, c'est pas une poubelle hein, son aquarium. Je veux bien, mais il y a des limites. On va voir la ligue maintenant. Encore mon jumeau! Je vais l'écraser! Oh yes! Le commentateur, il est pas du tout. Ouais, mon grand Magikarp a gagné. Allez, c'est bien Magikarp. J'ai battu votre rival. Ouais, Rendezvous rang 2. Ok, cool, hein. Allez, plus 10 diamants. Les Magikarp que vous pêcherez pourront maintenant atteindre le niveau 12.
Et lui, il va terminer la partie. La victoire a redonné la pêche à votre Magikarp. Vous récupérez un point de Yig. J'avais pas manqué ça qui pouvait. Ouais, on va entraîner. Il est déjà le niveau 9. Incroyable. Il compte ça, ok. Le gros truc à côté de moi maintenant, je me rends compte comparé à moi à taille. Ah dommage, on a fait moins bien que la dernière fois. Quittez un marche à votre rencontre. Encore un événement aléatoire! Et c'est abusé là. Encore un massage, bon, c'est bon, j'ai compris. Allez, niveau 10. On va avoir bientôt le niveau max. Six points de saut, ok, bah merci. Je pense que là on est bon. Ah non, bientôt niveau 11, c'est bientôt fini, mais on va faire un ligue et encore lui, mais à chaque fois c'est toujours le même en fait. Comment il est censé être bon, ce soit des clones. Je sais pas, dit saut. Ça fait plaisir. Allez, on a bientôt fini là, visiblement. Quand je retourne au bassin, qu'est-ce qui se passe? Allez, dernier entraînement. Ça frappe. Première fois qu'on l'a. Magikarp gagne 2 points de saut évidemment. 224, je pense pas que ce sera assez. Oh, j'en ai marre des trucs aléatoires, c'est bon. Encore le même. Oh, niveau 11! Oh, votre Magikarp a atteint son niveau max. C'est sa dernière chance de battre Ayi. Wow, on dirait que t'as entraîné ton Magikarp jusqu'au niveau max. Tu ne vas pas pouvoir développer davantage la puissance de saut de ce pauvre Pokémon. Ce sera la dernière fois que ce Magikarp pourra défier la Ligue. Oh. Essaye de gagner le plus possible pour qu'il puisse prendre sa retraite sans regret. Oh, c'est triste. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Il reste deux niveaux en plus. Allez, enfin, de niveau de tour quoi, vous m'avez compris. Allez mon gros Magikarp, saute! Bon 10! C'est mieux qu'à gagner. Il a fait environ le même qu'autre, que la dernière fois, un autre, il a augmenté plus. Vous avez battu votre rival, encore. Ok. Dernier tour. Et il met qu'il y a un truc. Bon, allez. On va tenter de me battre. Jean-Carp. Waouh, j'adore le jeu de mots. Tout le monde est prêt? Bah oui, je suis prêt. Ah, tiens, c'est pas un autre, c'est pas même rival. Mince. Mince, j'en garde. Non, c'est autre que. Ah non, c'est autre que gagné! Ah, j'ai un mal vu! Ah! Mais c'est chouette ça! Bravo Magikarp! Bravo mon gros! Et moi qui porte!
Mais moi, dans la vraie vie, en vrai, si je dois porter ça, je tombe. Déjà que j'ai pas de force. Ouais. Vous avez battu Gangi Copain. Oui! Point d'XP 2. Continuez. Vous recevez la médaille Copain. Ok, il y a 8 médailles. La photo de votre victoire a été enregistrée. Ok. Ouais, c'est tout le travers, on a compris. Bonne lumière, ok. Bonne lumière, je vois que c'est fini, je sais pas. Ah d'accord, c'est un truc qui se met de... Pikachu dans le jeu de Pikachu. Ouais, je veux bien, mais Pikachu c'est un Pokémon qui vit au sol, hein. C'est pas un Pokémon marin, donc j'ai pas envie de me noyer, mais... Putain, il a une vidéo pour Magikarp. Il y a meilleur premier du coup. Non! Magikarp, on vient d'aimer. Cette phrase était bizarre, on est d'accord. Magikarp, génération 1, score final. Niveau 11, plus de 2440 points de saut, 56 aliments consommés, 5 entraînements. Bah dis donc, c'est un gros bouffon, hein, dis donc. Événement 3, victoire en X5. Ouais, on a tout gagné d'un coup. Nous. Allez, bonne retraite, mon ami. Et donc là, on va devoir repêcher un Magikarp, en fait. Nouvelle génération. Eh bien, c'est devenu un beau morceau. Magikarp a atteint sa taille maximum. Et toi, tu as grandi. Attends, quand tu dis un beau morceau, tu... Non, ne mangez pas, s'il vous plaît. Tu as mérité des points XP. Tiens, voici 5. Je veux dire, c'est rien, 5 points d'XP, mais purée, je suis déjà niveau 3 avec ça. Dingue, hein. Ok, donc maintenant je pourrais avoir un Magikarp niveau 13. Tous les Magikarp ont été inspirés par Magikarp et veulent suivre ses traces. Nos bonus de motivation ont augmenté de 10%. Tes prochains Magikarp grandiront plus vite. Cool ça. Plus tu gagneras d'expérience, plus les Magikarp que tu élèveras pourront devenir puissants. Allez, va bêcher ton prochain partenaire. Tristesse. Et j'ai pas de canne à pêche. Cousin pêcheur. Salut! Ah, c'est toi! Je t'ai ramené des Magikarp de compète, tu vas voir. Allez, choisis la canne à pêche qui te plaît. Au pif! Attends. Alors, en fait, c'est toutes les mêmes, d'accord. Au pif! Je sais qu'on peut pêcher des shiny des fois, mais. On va quand même pêcher un shiny là. J'ai pêché un Magikarp normal. Voilà un Magikarp tout à fait classique. Je suis sûr qu'il nous réserve des surprises. Avant une fois, c'est une femelle. Ah, c'est pas le même motif! C'est un koi! Oh purée! Cool ça! On va l'appeler comment? Comment est-ce qu'on va l'appeler? Je sais pas. Je ne sais pas comment l'appeler. Ouais, j'ai trouvé. Je vais l'appeler Coyette parce que c'est une fille, parce que c'est un koi. Ah d'accord, elle rencontre son... On comprend D'accord, donc elle rencontre l'ancien. Le nouveau retraité encourage la jeune Magikarp depuis au fond du bassin. Cherchez-le. Ah ok. Bon bah c'est vraiment un jeu sympa en tout cas. Hein. T'as même Pikachu qui est là. Quand un symbole apparaît au-dessus de Pikachu, touchez-le pour qu'il vous aide à activer votre Magikarp. Faites glisser votre doigt sur l'écran pour voir tout le bassin. Ok. Allez, mange. Ah oui, t'as où Magikarp qui est au fond. Génération 1. Oh, donc en fait, on les garde tous, quoi. Et en plus, il fait son petit cri. Bon les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Bon, de base, je voulais pas faire une série sur ce jeu, parce que je me suis dit, ouais, c'est plus une vidéo découverte. Mais je pense que peut-être je ferai quelques vidéos dessus des fois. Bon, c'est à voir. En tout cas, donc, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, à aussi à vous abonner à la chaîne. Ça me ferait vraiment plaisir. Et donc, moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!